Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo découverte improvisée puisque le jeu en question, c'est un jeu que je n'avais pas du tout vu passer dernièrement, qui est prévu pour 2024, donc qui est actuellement en phase démo, qui m'a personnellement convaincu en trois images, donc sans même voir un seul trailer du jeu. Le jeu en question s'intitule Aloft et c'est un jeu de survie, de construction, mais surtout d'exploration et de navigation. Mais contrairement à la plupart des jeux du même style, cette fois-ci, vous n'explorez pas les différentes îles, soit en bateau ou en véhicule, mais plutôt en planeur et en vous déplaçant avec des îles. Parce que oui, le jeu se déroule dans le ciel et vous avez la possibilité de vous servir des îles comme moyen de transport, littéralement. Enfin bon, sur ce, je vous en dis pas plus et je vous laisse vous faire votre propre avis. Bonne vidéo à vous. Je sais pas pourquoi dernièrement c'est pas un nouveau mot que j'ai appris pourtant, mais j'aime appeler mes mondes Eden. Je trouve que ça fait relaxant, ça fait positif, calme, serein. Bref, tout ce que les parties ne sont pas. Ok. Ok, on va avoir des petits changements à faire ici, graphique, je pense. Distance de rendu des nuages, résolution des nuages, qualité des nuages. Ça reste assez limite côté option. Notre ressource la plus précieuse, la créativité, est réellement illimitée. Sure? Ah, on a enfin de la pierre. Là, est-ce qu'avec... Ah, je comprends. On doit apprendre les recettes en mélangeant différentes ressources qu'on trouve. Pierre aiguisée, qu'on vient de découvrir. Si je mets pierre bois, le marteau en pierre, est-ce que l'ordre des ressources impacte aussi? Non. Donc, bois pierre, c'est comme pierre bois. Excellent. Deux bois peut-être? Non, ça fonctionne pas. Ok. Le marteau en pierre, c'est un outil pour construire et réparer les structures. On va fabriquer. Une pierre aiguisée. La pierre aiguisée, on va pouvoir la combiner avec bois. Bois pierre aiguisée pour une hache peut-être. Pour une hache, fabriquer. Excellent. Maintenant, est-ce que... Ok, je peux pas prendre par exemple une hache plus de la pierre pour faire une pioche, non? Ok, là mes outils, je les pose où? Est-ce que je dois faire un, deux? Ah! Là-bas, on a des lumières qui scintillent. Je sais pas si c'est des minerais qui brillent au loin, si c'est... On dirait qu'on a d'autres îles cachées quand même. Je pense pas que c'est la seule île ici. Allô? Ok, le bois. Le bois, si on n'est pas assez rapide, on perd les bûches. Il faut vraiment couper l'arbre, puis ensuite donner un autre coup supplémentaire sur les bûches. Ok. Oh. Ok. Du bois, des graines de châtaignier. La question que je me pose aussi, je peux probablement fabriquer si je vais sur un.
B. Ouh! Ce système de construction qu'on retrouve entre autres dans Rust, dans Ark, je trouve que c'est l'un des meilleurs qui a été inventé. Parce que c'est facile à comprendre, c'est facile à construire aussi. De juste avoir des structures simples, mais déjà préfaites, qu'on peut juste poser à la chaîne. Dans Ark, d'ailleurs, voyez-vous, je trouve que c'était un peu moins bien que dans Rust. Parce qu'on devait quand même faire les structures avant de les poser. Et le système, je le trouve encore plus optimisé lorsque on peut juste avoir des ressources sur nous. Et c'est quand on pose la structure que ça coûte des ressources directement. On n'a pas besoin de fabriquer des blocs ou des formes au préalable. Je dois construire la scierie. J'avais même pas vu que j'avais une mission en haut. Il semble pas avoir de système de faim ou de soif, je vois ça. On a de l'énergie. Je crois du moins la barre orange, ça semble être de l'énergie. Rouge, ça doit être la vie. Donc pas de faim, pas de soif. Peut-être que le jeu va devenir suffisamment difficile pour que... on n'ait pas envie d'avoir une faim et une soif à gérer en plus, mais... en général, c'est pas si mal dans un jeu de survie. Ça ici, finalement, je voulais construire en haut complètement, mais je pourrais pas y accéder immédiatement. Donc je pense qu'on va retourner à l'obélisque en bas, ou l'espèce de pierre qu'on avait appris la recette. On va construire ici. D'ailleurs, je pourrais voir peut-être qu'on peut construire à l'extérieur de la plateforme. Ou de l'île. Fondation. Plancher. Escalier. Est-ce que ça marche? C'est pas ce que je voulais faire du tout. Mode d'alignement. What? Ah! Ça, c'est bien pensé par contre. On peut poser des fondations en diagonale l'une à l'autre, par exemple. C'est pas parfait comme système, mais j'aime l'intention. Détruire. Est-ce que je peux détruire ça? Oui. Par contre, je comprends pas le système de pivoter. On va peut-être juste placer la plateforme comme ça, je crois. En vrai, on va tenter ça comme ça, puis... on va espérer que ça fonctionne comme on le souhaite. Ok. Ça, c'est fait. Je pouvais placer des fondations avec des planchers. Bon. Ah, ça, j'avais pas vu. Est-ce qu'on peut placer un plancher au moins sur les fondations? Est-ce que ça se fait, ça? Non. Non. Allô? R, peut-être? Au moins, on perd pas de bois quand on refait des fondations ou peu importe. Okay, cette fois-ci, je me ferai pas avoir. On va immédiatement prendre les fondations avec un plancher. Okay. Ensuite, est-ce que je dois placer un plancher en plus? Non. Non, ok. Je fais quoi dans ce cas-ci? Comme ça? Ah, super. Ok, on peut littéralement faire une espèce de combo. Combo pour améliorer une structure. En fait, le combo, je pense, on peut le faire pour toutes les actions. B, établi. Et là, ça, j'arriverai toujours pas à le tourner. On va essayer ça. Il y a des bonnes mécaniques, mais c'est nouveau quand même. Au niveau de la construction, au niveau des crafts aussi. C'est pas une mauvaise chose. Mais c'est sûr qu'on repart à zéro. L'expérience des autres jeux de survie n'apporte pas grand chose, disons.
On peut faire du tissu avec de la fibre. Ok, ça c'est bien. Maintenant, fibre. Fibre et... Ok, je dois faire plus de fibres pour faire des vêtements. Ok. Avec 4 tissus, 3 tissus, on peut faire un bandage. On peut faire un bandage avec 3 tissus. Est-ce que je peux faire plus de tissus? À mon avis, on doit bien avoir un... Je sais pas, un sac à dos ou une armure avec plus. Ok, pour les crafts, c'est pas mal tout ce qu'on pouvait faire pour l'instant. J'ai pas équipé ma pioche. Ça serait peut-être bien. Ok. Explorer l'île afin de trouver une autre pierre de connaissance. J'ai mon idée où elle se trouve. J'ai exploré peut-être un peu plus que nécessaire tantôt et je pense savoir qu'est-ce que je dois faire. J'ai vu une caverne qui était bloquée par des roches. Des fortes chances, à mon avis, que c'est par cette caverne qu'on trouve la prochaine pierre. Le jeu est pas si mal en vrai. Graphiquement, ça passe. C'est pas le plus joli, mais c'est pas laid non plus. Côté gameplay, c'est sûr que pour l'instant, c'est très tutoriel. Donc, on a une route, on a des objectifs, on doit les compléter. Peut-être même que l'île sur laquelle je me trouve en ce moment, c'est vraiment juste l'île tutoriel. Puis sinon, le côté, c'est le défaut de bien des jeux en 2023, c'est optimisation. Côté optimisation, il y a peut-être du travail encore à faire. Ou de la marge, on va dire ça comme ça. Il y a encore de la marge. Ah, c'est exactement ça. J'espère que je peux pas croiser des monstres immédiatement parce que j'ai pas d'armes. J'ai une hache. C'est plus un outil qu'une arme, mais. Ah, on l'a trouvé. Je pense. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite pierre ici? Ah oui, je la vois en haut. Juste ici à droite. Ça, c'est juste un arbre. Un grand arbre, mais un arbre normal. La mère nature a fourni les graines de notre fortune. On apprend à faire des champs. Ah, une scierie. Ouais. Ah! Donc là, on nous parle de mère nature, puis on nous apprend à faire une scierie. C'est moi ou... Ah, on a appris aussi à faire un lit. Vous ne possédez pas toutes les ressources. Ok, il n'y a pas de souci, on va se faire... On va se faire une autre pierre aiguisée. Comme ça. Et là, une scierie, ça me sert à quoi concrètement, là? Utiliser. Appuyez sur F. Une mécanique un peu à la Dead by Daylight. Là, c'est... J'ai même pas regardé. Fabriquer des planches à l'aide de la scierie, c'est fait. C'est fait. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Je dois les récupérer, peut-être, ça irait bien. C'est ici Age of Empire. Ça tombe bien, Kefren, que t'en parles, parce qu'ici, c'est notre jeu principal. On fait surtout du compétitif. On a un niveau assez fort, quand même, assez fort. Mais là, aujourd'hui, on prend pause. On est en congé depuis 2021, je pense. Ouais, mais ça reste quand même notre jeu principal. C'est juste que là, on était trop fort, en fait, donc on a laissé une longueur d'avance aux autres joueurs pour rattraper, tu sais. Je joue quelle civilisation? Les Français. Eh! Y a pas d'autre réponse que ça, là. Non, non, mais... tous les jours, les Français. Y a les Français, right? Je me trompe pas, là.
Fabriquer. On peut fabriquer un planeur! Ok, là, c'est. Là, on atteint un niveau de Zelda ici, là. Deux tissus, une planche. Bam! Et là, j'ai pas besoin d'en fabriquer un autre. Juste un, ça devrait aller. Ou sinon, ah, c'est vrai, j'ai débloqué la recette du planeur. Ok, c'est vrai. Excellent. Ils sont quand même forts, mais chaque fois que tu cliques sur un personnage, il dit du coup. Ça gosse un peu. Ça peut pas être pire que Warcraft 3, là. C'était drôle un temps, là, mais quand on spammait les unités, puis c'était que du oui, monsieur, okidoki, du travail, encore du travail, c'est comme si c'était fait. Là, on a fait le planeur, hein, ça c'est super. On peut faire des stocks. Ah, oh, ça c'est bien vu par contre, bien pensé. Du coup, travail terminé. Non, mais en vrai, c'est. En vrai, ça me dérange pas tant que ça, le du coup. Je pense en fait un. Dire beaucoup genre, ça me gosse plus que. Du coup. Puis le pire, c'est que je suis le type de personne à utiliser beaucoup trop genre. Mais j'ai pas dit que ça faisait du sens, hein. J'ai. Le planeur, c'est fait, je le mets où, là? Il me vient des idées, mais je pense pas que ça va m'aider à planer. Est-ce que ça nous dit comment on peut utiliser le planeur? Non, ça le dit pas ici. Est-ce que ça le disait sur le planeur? Coucou. Les ailes artificielles permettant de voler d'île en île doivent d'abord être équipées puis déployées dans les airs. Ok, parfait. Parfait. J'équipe comment les ailes? C'est ça que le Québec veut savoir en ce moment. Théoriquement, on dirait que je peux, là. Tous ces mots, ça me dérange pas. Par contre, les gens qui disent à chaque fin de phrase, ça m'insupporte. Ah, ça aussi, c'est moi. Ça aussi, c'est pas mal moi. C'est un réflexe du cerveau, d'ailleurs, ça, pour combler les vides. Juste avant de lire la phrase, il le dit. Ah, je vous dis, c'est terrible. Ça va, je le dis pas en permanence. Je pense que je viens de le faire encore. Non, si c'est pas en permanence, c'est à temps partiel, mais du 30 heures temps partiel. Vous voyez, ce genre de temps partiel. J'ai le planeur, mais là, je peux pas m'en servir. Est-ce que c'est la fin de la démo? Est-ce que c'est. C'est terminé, là? On peut certainement monter ici. Je peux pas craire, là. Peut-être l'autre côté, on va avoir des pierres ou je sais pas. Je vois une île là-bas. Les tornades, ça sert à prendre de l'altitude. Je viens de comprendre. Je me demandais pourquoi on avait des tornades. Un peu partout, je pensais que c'était peut-être signe qu'on avait une île au sol et qu'il y avait un courant d'air qui se formait autour, mais non. C'est vraiment juste pour prendre de la hauteur entre les îles, pour pas s'écraser comme une merde d'oiseau au sol. C'est juste une démo. Oui. Pourquoi on a parlé de ça? Pourquoi on a parlé de ça? Ma journée allait bien, moi. J'ai lancé un live, ça allait bien. Une bonne nuit de sommeil, courte, mais quand même sommeil récupérateur. Je me suis levé avec un bon niveau d'estime quand même. Puis là, Brûle-Rocky arrive. Moi, les personnes qui m'énervent, c'est les E. Et voilà, coup fatal. Un coup critique. Voilà, ma journée est détruite. Ma journée est détruite. On peut peut-être essayer sinon. Il n'y a pas d'option encore, ça nous dit pas. J'aurais aimé peut-être juste maintenir espace. Puis on plane. Simple, efficace, non? Raccourci clavier, ça va nous aider ça. Marche avant, noter. Marche arrière, marche gauche, droite, sauter. S'accroupir, je savais même pas qu'on pouvait s'accroupir. Courir. Planeur, déployer espace.
Ceux qui disent E et ceux qui jouent à des démos pas capables. Le monde qui se laisse pousser la barbe aussi, là, pas capable. Hey, un gars, là, la barbe longue de même, les cheveux qui dépassent les épaules. Wow! Wow, wow, wow! T'es pas Jésus, man! Alors, reviens sur terre, Big! Donc là, on suppose. On est d'accord, là, je viens de voir les contrôles. Si je saute dans le vide et que je maintiens espace, je m'envole. Tel un aigle. Mais oui. Mais oui. Je suis pas convaincu. Ça, c'était pas un E, je réfléchis. C'était plus de l'hésitation pure. J'ai pas envie de mourir. Voilà. Vol, vol. Marche pas, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais c'est parce que moi, je fais confiance au jeu. On me dit, fais espace, ça va déployer le planeur. Ça déploie pas grand-chose en ce moment, là. Ou sinon, j'ai vraiment pas compris comment l'équiper, mais je peux pas. Je peux pas l'équiper. Ici, là, on le met où, le planeur? Je fais quoi? Au secours. Peut-être C. Non. Interagir. Équiper. Ah. Équiper 1. Je suis pas fou, ça marchait pas. 4. 4. 2. 1. 3. Je peux pas déployer le planeur, Big. Je peux pas. C'est pas que j'essaye pas, là. Vous le voyez bien que je tente. T'as pas une vue troisième personne? Oui, probablement. Probablement. Troisième. Ouais. On semble avoir le comment on appelle ça déjà? Le planeur dans le dos. À moins que le cercle ce soit pas ça. Non. Non, non, non. Planer. Oui. Lorsque le planeur est équipé, je l'ai dans le dos. Le planeur est équipé, parfait. Il peut être déployé en appuyant sur espace. On va tenter à partir d'ici en haut, quelque chose comme ça. Ici, ça devrait le faire. Donc, ici, on saute dans les airs pendant qu'on est en vol, on réappuie sur espace. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hop, hop. J'appuyais sur espace. Sinon, je peux peut-être essayer de. Supposons que je fais déployer avec J. Hein? Voilà. On va essayer comme ça. On va essayer ça. Espace, on saute. J, on déploie. Espace, J. Ah non, il n'y a rien à faire. Je suis convaincu en plus que le problème vient peut-être même pas des ailes en soi, mais juste du fait qu'on puisse pas les équiper. Comme ça devrait être le cas normalement. Est-ce que depuis 30 minutes, c'était affiché à l'écran comment équiper les ailes? Non. Non. Non, 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 non. Non, c'est un bug visuel. C'est un bug visuel. Autrement, ça voudrait insinuer que j'ai pas lu ce qui était affiché à l'écran, que j'essayais de. Non, non. Impossible. Impossible. Ah, voyez-vous, là, c'est corrigé le bug. Là, c'est corrigé. Tu es un sorcier, Gornos. Ok. Déjà les Elytra GG. Ouais, t'as vu, t'as vu? Sans même aller dans l'Ender. On n'a même pas vu l'Ender Dragon seulement.
Donc là, on peut explorer des îles, mais c'est quoi la mission là? Trouver des pierres puis des crafts? On est parti. Oh. Oh. C'est méchant ici, là. Oh oh. Hein? What? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. On va se remettre en première déjà parce que là en ce moment c'est la panique. On peut pas se permettre de prendre des coups là. Oh! Oh! Chier! Chier! Meurs vilain champignon. Ok. Ah pis ça c'est l'espèce de spawner là. Pardonnez-moi. Ouch. Ok. 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 Yes, sir. Chier. Ça, c'est pas encore mort. Ok. On purifie les îles, puis ça nous débloque des crafts. La mer de nuages nous emmène sur la rive. Encore une fois, à la maison. Barre à roues débloquée. Est-ce qu'on va pouvoir naviguer avec des îles? Ça serait malade. On met une voile sur l'île. On met une roue. Et voilà, on est parti. Ok, on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur l'autre île infectée. Il va falloir qu'on prenne de la hauteur parce que là... Ah! Ok, 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 ok! Juste un peu, juste un peu. Juste un peu d'hauteur. J'ai pas ma combinaison pour aller dans l'espace. Ah! Deux spawners ici. Ouch! Garde-toi! Let's go! Nous avons été emmenés dans ce monde pour dompter. Pour le dompter, nous l'avons fait. Gouvernail. À mon avis, c'est vraiment ça. C'est soit... soit on va pouvoir déplacer notre base ou ça va être l'île tout entière. Ok. Ok, ok. On va s'arrêter pour ça. Pour Aloft. Donc Aloft, voilà. On purifie des îles. Je pense qu'on construit une base et on se déplace avec. Idéalement. En fait, oui. Pas probablement parce qu'autrement... une fois que vous allez être 10 îles plus loin, ça va vous faire un peu mal au cœur de laisser derrière vous vos ressources à chaque fois. Donc clairement, ça doit être ça, on peut se déplacer en véhicule. Côté optimisation, pas incroyable. Le concept, pas si mal. Pas si mal. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la courte vidéo découverte d'aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire sous la vidéo prévue à cet effet. Si le contenu d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou en live sur ma chaîne Twitch. Portez-vous bien tout le monde, c'était Eric. Ciao!